Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis quelque temps, j'ai envie de faire des vidéos manga et du coup, j'en ai aujourd'hui l'occasion avec la sortie de l'édition collector de Spy Family. Donc, on va voir ensemble les qualités, les défauts, les inconvénients, la praticité de ce collector. Pourquoi faut-il l'acheter ou pourquoi, au contraire, il ne faudrait pas l'acheter. Donc, déjà, visuellement, c'est une mallette. Moi, je croyais que là, c'était un vrai truc où on pouvait le porter. Et au tout début, je croyais que c'était beaucoup plus grand. Mais j'ai vu après que finalement, ça faisait presque quasiment la taille d'un tome. Et certains ont eu assez de mal à l'ouvrir. Donc, on va voir si c'est aussi notre cas. Donc, déjà, sur la couverture de la mallette, on a Anya en sorte de stickers, Bond le chien et le doudou d'Anya. Et il y a écrit bien Spy Family de Tatsuya Endo et qui a écrit que c'est le tome 8 Collector. Et derrière, il y a une photo de la famille qui sont assis sur un canapé. Et voilà. C'est plutôt. C'est assez sympa et plutôt joli. Pour la texture de la boîte, elle est pas désagréable. Donc ça va. Donc voilà, en ouvrant, on a le tome 8 de Spy Family. Donc comme je disais, la boîte fait vraiment la taille du collector. Du coup, ça va vraiment être compliqué à l'ouvrir. Et j'ai vraiment pas envie de l'abîmer, donc je vais faire de mon mieux. J'arrive pas à l'ouvrir. Du coup, on se retrouve 3 heures plus tard. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Au moment où on ouvre la boîte, le manga est hyper serré. C'est vraiment, comme les gens disaient, la taille presque du manga en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que là, ça va déjà mieux, mais le manga, il était gondolé. Quand on touche, c'est gondolé. Enfin, ça fait des vagues, quoi. Ça va mieux, mais regardez, là, vous pouvez sûrement le voir. J'ai décidé que j'allais mettre quelque chose de lourd par-dessus, parce que les gens, ils me disent, ouais, mais tu sais pas, tu vas pas en racheter un pour ça. Enfin, c'est tout petit, c'est pas grave. Sauf que moi, bah, je trouve ça quand même grave parce que ça coûte assez cher. Donc, s'il n'est pas en parfait état, quand même, je pense que le tome normal aurait été moins abîmé. Donc, ce que je fais, c'est bah, gros livre par-dessus. Voilà. Moi, j'allume la lumière parce que sinon, on voit rien du tout. Donc, quand on ouvre la boîte, donc d'abord, on tombe sur le Spy Family qui était un peu gondolé. Il est, mais méga ultra dur à enlever. C'est-à-dire que là, ça va encore. On y arrive, mais on a peur de l'abîmer, donc on n'ose pas trop forcer pour le tome 8. Mais quand t'arrives à ça, là, ça m'a trop saoulé, j'ai pas réussi. J'ai même un moment ici avec un cure-dent, et du coup ça l'a abîmé, là, ça a fait un trait plus blanc que les autres. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Ça pour vous dire que c'était vraiment très 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 galère. On va regarder ensemble l'intérieur du paquet, donc les différentes cartes. D'abord, on a une première illustration avec écrit Spy Family. Dessus il y a Twilight, donc Lloyd, Anya et Yor. Après on a quelques méchants qui ont les chiens et la supérieure de Twilight. Ensuite on a la couverture du tome 1. Ensuite on a la couverture du tome 2. Attends, me dites pas qu'on va avoir les couvertures de tous les tomes. La couverture du tome 3, tome 4. Non, ça va. On a jusqu'au tome 4. Finalement, j'ai remarqué qu'il n'y avait que les couvertures qui représentaient les membres de la famille Forgeur. Ça, c'est une illustration au début du tome 1. Donc, on peut le voir. D'abord, il y a un petit passage où on voit la famille. Et là, tu as mission 1 et c'est exactement la même chose. Ensuite, là, on a enfin une illustration particulière qui n'est pas dans les tomes. Et ça, c'est enfin cool parce que le fait d'avoir des illustrations qui représentent les couvertures des tomes, d'avoir des illustrations qui sont dans les tomes, franchement, c'est pas non plus hyper bénéfique parce qu'on les a déjà. Mais par contre, avoir des illustrations comme ça, c'est cool, vraiment. Bon, après, on peut être quand même content d'avoir l'illustration des tomes. Après, chacun son avis. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis là-dessus en commentaire. On a une illustration sous la neige, assez sympa. Une illustration en pique-nique, je la trouve sympa aussi. L'illustration qu'on a sur la mallette. Une illustration avec la pote d'Anya et Anya qui rêvent des espions. Mais c'est une illustration que nous avons dans le tome 6. C'est une illustration sympa qui représente la famille Forgeur sur un scooter. Celle-là vient du tome 5. Celle-ci représente Yor et son frère, Yuri, devant un magasin nommé Spy Family. Celle-là, dans mon souvenir, c'est avant le one-shot, donc dans le tome 2.
Après, cette fois, il n'y a pas les écritures. Cette illustration vient directement du nouveau tome, le tome 8. Celle-là représente Yor avec des fleurs. Et voilà, donc conclusion de ce petit carnet avec plusieurs images. On a pas mal d'images qu'on a déjà dans les tomes. Après, on a quand même de nouvelles illustrations sympas. Donc, de mon point de vue, est-ce qu'il faut acheter ce box collector du tome 8 de Spy Family? On va déjà commencer par parler des défauts. Le plus gros problème, c'est que la boîte est beaucoup trop petite, ce qui fait qu'elle peut abîmer le tome et peut vous énerver, car il est extrêmement difficile de sortir le tome et le carnet. Il se peut donc que tout ne soit pas en parfait état. Oui, ils ont dit qu'on pouvait redemander un Mais tome. franchement, ça fait perdre du temps. Autant aller acheter directement le tome sans le collecteur dans ces cas-là. Et je trouve ça extrêmement dommage que pour un manga comme Spy Family, qui en ce moment est très populaire, on ait ce genre de problème de collector. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas pu régler le problème. Donc j'espère qu'ils feront mieux pour les prochains. Et c'est normal que pour le prix qu'on paye, on ait envie que le collector soit parfait et qu'il satisfait nos attentes. Personnellement, c'est le premier collector que j'ouvre. Du coup, je ne suis pas trop expérimentée et je ne sais pas exactement ce que les personnes peuvent attendre d'un collector. Je ne peux donc pas comparer avec d'autres, mais je fais de mon mieux pour vous donner mon avis personnel et j'espère que ça vous aidera dans votre choix. Concernant les qualités, c'est qu'il y a quand même de très belles illustrations, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'illustrations exclusives. Après, ça, c'est un avis personnel et les illustrations sont quand même très belles. Et puis, quand c'est dans des tomes, bah, on ne peut pas l'enlever. Donc là, c'est quand même bien de pouvoir afficher ou alors juste avoir ces petites cartes chez nous. Donc, c'est pas un défaut en fait d'avoir les mêmes illustrations que dans les tomes. Et je pense aussi que certaines illustrations qui sont dans le cahier seront peut-être dans les prochains tomes, pas encore sortis. Ah oui, aussi les images ont une très bonne impression. Les couleurs sont vives et vraiment, elles sont magnifiques, les illustrations. Et le papier est de bonne qualité. Après, concernant la boîte, mais elle est très très bien. Déjà, le fait qu'elle soit petite, c'est qu'elle ne prend pas trop de place. Et elle est plutôt jolie. Le problème de la boîte est un très gros problème, mais en règle générale, cela reste un très beau box. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt. Salut!